Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur... Même pas pour une présentation un petit peu du jeu Rim Royal. Alors, je vais vous dire, c'est même pas moi. Je le savais que ça allait sortir. Mais en fait, la personne qui m'a fait découvrir ce jeu, c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ce jeu. Et d'ailleurs, quand on a joué tous les deux, on a fait un top 1 et on faisait beaucoup de kills. À chaque partie qu'on faisait, on faisait énormément de kills. Alors que j'ai très peu joué. Je joue très peu. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que Rim Royal? C'est un... Bon, on va pas dire, c'est un genre de Fortnite. C'est un... Voyez le système Fortnite où vous atterrissez tous, vous choisissez, etc. C'est comme PUBG aussi. Vous voyez un petit peu, vous êtes 100 personnes, etc. Ben c'est pareil, c'est le même système. Sauf que le jeu n'est pas pareil en soi. C'est le système n'est, enfin, le système est pareil, le système de jeu est pareil. Mais la façon dont est fait le jeu n'est pas similaire. Parce qu'on est plutôt dans un style assez. Comment dire? Vous allez voir, tout simplement, vous allez voir, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu, en fait. J'y ai joué, mon frère ne le sait pas, mais j'y joue un petit peu. J'aime bien jouer un petit peu à ce petit jeu. Des fois, bon, je suis très nul quand je suis tout seul. Alors, moi, je prends toujours... Qu'est-ce que je prends, moi? Là, là, là. Voilà, c'est lui. Je prends toujours l'assassin. J'oublie toujours à chaque fois. Alors, je prends l'assassin parce que moi j'aime beaucoup tirer au fusil. Moi je suis quelqu'un qui joue très fusil. Voilà, tout simplement. Bon, s'il te plaît, tu peux te pousser. Ah. Donc, voilà, vous voyez, il y a 100 personnes. Le but est simple, c'est de tuer tout le monde. Et d'être le premier, le dernier survivant. J'aime beaucoup ce jeu en fait. C'est un peu comme Fortnite. Bon, pas similaire. Pas du tout similaire. Mais c'est à peu près pareil dans le système, dans le mode de fonctionnement. Et j'ai envie de vous en faire. Voilà, j'avais envie de vous en faire. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous avez envie que je continue de faire une petite série là-dessus. Une petite série tous les lundis. Voilà, vous aurez du Rim Royal. Pourquoi pas, même pourquoi pas un peu plus hein, de Rim Royal. Ça pourrait vraiment être vachement cool de vous faire un peu plus que du Rim Royal. Donc voilà, moi je suis content. C'est gratuit, le jeu est gratuit. Vous avez juste à le télécharger sur Steam hein. Non, ce n'est pas un placement de produit. Je serais bien heureux de faire un placement de produit sur ce jeu en tout cas. Donc, mais bon, je suis pas assez connu pour. Mais franchement, c'est un excellent jeu. Donc allez-y, achetez-le. Enfin bref. Alors, on va voir la map. Alors nous, on va plutôt sortir. Oh. On va plutôt aller là. Dans ce petit village là-bas. Voilà, il y a une petite lumière là-bas. Eh bien, on y va là. Vous voyez la petite lumière, le machin jaune? Eh bien, c'est moi. Ben, je l'ai mis là. C'est pas si compliqué en fait à jouer. Si vous avez joué à PUBG, à Fortnite, ben vous avez compris un peu le système. Donc c'est pas si compliqué. Moi je voudrais acheter PUBG en plus. Je vais l'acheter. Voilà. Donc ici, vous pouvez invoquer une monture. Donc c'est un cheval. Par contre, vous pouvez l'acheter, votre monture. Alors, vous avez entendu un petit bruit normalement. C'est ce coffre. Vous ouvrez. Vous avez de quoi avoir des trucs. Alors vous avez des super pouvoirs comme le 4. Là j'appuie sur ici. Et bien ça jette une bombe. Après il y a le F où là je vais hyper vite. Vous voyez un peu ce que ça donne? C'est vraiment sympa. E. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pareil en soi. Dissimulation. Alors si c'est pourri, vous appuyez sur X. Bon après moi c'est ma touche. Et après, vous récupérez un petit peu de points. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Mais c'est utile. Alors, elle est où la zone? Elle est là. Bon, on va faire quelques parties comme ça pour vous montrer un petit peu le jeu. J'espère au moins vous faire un bon jeu. Une bonne game. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh! Je l'équipe. Ça, je l'enlève. Alors, nous avons un petit coffre ici.
Qu'est-ce que c'est? Maintenant ça pue. 80 joueurs qui restent. J'ai pas eu de bon. Je sais pas s'il y avait un étage. Ah, un truc de potion. Ah, c'est que des potions de santé, malheureusement. Ah. Il y a un coffre en haut. Il y a deux coffres. Ah, j'aime pas ce fusil. J'aime pas du tout. Bon, ça sera mieux que rien. Ah, en plus, j'ai que des trucs pourris parce qu'ils sont gris. Bon, j'invoque mon petit machin. Alors, on va aller où? On va aller ici, tiens. Je crois qu'on peut monter en plus. Oh ouais. Eh ben non, on peut pas. Comment on va faire? Ah ben on va passer par la grotte. J'espère qu'il y aura pas de gens. C'est dans 1 minute 50. J'ai fait quelques coffres. C'était pas la meilleure partie là. Ça c'est sûr, je suis un peu triste là. Je fais un peu n'importe quoi. Ah! Je le savais qu'il y avait quelqu'un. Ah! Mais lui il a un truc! Mais lui il a un truc! Mais oui, il avait un truc à distance! Moi j'avais un truc pourri! Bon, ça commence très mal. C'était nul. Qu'est-ce que je suis nul. Non mais voilà, c'est ce genre de choses. Après vous devenez un poulet et en fait vous devez essayer de vous cacher quand vous êtes en poulet. Oui bon, je sais, je suis nul. Vous cachez quand vous êtes un poulet et c'est bon. Par contre j'ai fait n'importe quoi, j'ai appelé mon cheval alors que je voulais pas du tout. Je l'ai mis une tête hein, 200 points, ça fait mal. Mais c'était nul hein. Franchement j'ai pas eu un des bonnes armes aussi. Bon, on va prendre un peu plus de risques. On va aller vraiment dans une vraie ville. Donc là, ça va être super, super intéressant. Je pense que je ferai quelques petits montages là-dessus sur ce jeu. Ça serait beaucoup plus animatif. Ça serait beaucoup mieux. Puis ça me permettra de travailler un petit peu le montage. Donc, why not? Surtout que je vais travailler le montage aussi pour d'autres vidéos. Et ça, c'est important. C'est important de s'améliorer au fil du temps. Ça, c'est sûr. Donc, on est reparti. Bien sûr, je jouerai un peu plus aussi à ce jeu. Donc, je vais m'améliorer. Ça, c'est pas un problème. Pourquoi personne bouge? Je bug ou... Bah non, j'ai pas l'air de bugger. C'est juste que tout le monde fait rien. Je suis tombé dans un truc où Ah, il y a des gens qui bougent, ok. Ça me faisait peur, attendez, personne bougeait là. Personne bougeait. Bon. Pendant ce temps, en attendant, hein. Ben moi. Bah vous, pour vous, ça va être dans une seconde, ça va commencer. Ben moi, ben je vais attendre. Allez, à plus tard. Ok. C'est parti. Alors, oh, on pourrait aller là. Hein. On va aller ici. C'est très loin quand même. Eh bien, on va tenter. On va tenter d'y aller. C'est trop loin. Non, ça va, on y va. Ça passe. Ça passe. On y arrive. Là, en plus, je suis en train de faire en même temps autre chose. C'est dingue, ça. C'est dingue. Deux choses en même temps. Incroyable. Et ben oui, on peut. On va aller dans cette maison là qui est un peu éloignée. Hop là. Oh, sur le truc. La chance. Ouais. Pas forcément ce que j'attends. Oh, c'est nul. Oh. Bien sûr, on casse. N'oubliez jamais de faire ça aussi. Oh, mais c'est nul à chier ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des gens? Oh là 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 là. Oh non, mais si je meurs.
petit. Oh mais c'est tout. C'est nul. Vite, y a un truc en haut. Oh! Enfin un bon truc. Bah alors, je l'ai pas pris. Toi, hop. Ah, mais il est pas trop cool ce fusil. Oh, mais j'ai que des trucs pourris. Voulez pas me donner quelque chose de bien, de cool? Ah bah voilà, petit revolver. Ça j'aime bien le revolver. Ah bah tiens, y a un truc dehors. Mais j'ai que du caca. Eh, avec mon frère on avait plus de choses cool hein. Là c'est que du caca. Bon bah on s'en va, faut qu'on aille vers la zone qui est pas si loin, ça passe. On va passer par là. Et si on trouve quelqu'un, on se fight. Bon. En même temps, je vous fais découvrir le jeu. Je suis pas forcément le plus bon. En solo, je suis très mauvais. Donc avec mon frère, quand on était ensemble, on tuait tout le monde. Oh, les games! Faudrait que je vous fasse un petit montage là-dessus avec pas ma voix. Il y a pas de voix. Il y aura juste un peu de les moments importants quoi. What the fuck? C'est super beau. Mais c'est quoi ce bruit? Oh. Y'a que ça? Bon, je me casse. Je me tire. Regarde un peu s'il n'y a pas des gens. Bon, je suis pas très bien parti là. Parce que là en fait j'ai fait n'importe quoi là. Oh. Ici il y a une forge. Bon, pour le moment j'ai rien pour faire la forge. Putain, j'ai vraiment que de la merde. Ça c'est incroyable. Oh là 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 là, je vous jure, mais j'ai que du caca. Alors là c'est vraiment pas une bonne game hein. Ouais, j'ai entendu. Eh oui. Oh. Allez, on déguerpit. The fog sets in. Yeah, yeah, yeah. Je sais. J'arrive. Bon, ça va, c'est dans 3 minutes. Ça prend du temps. Est-ce que j'ai le temps de regarder un peu? Ouais, celui-là, par exemple. Oh, mais c'est nul. D'accord, je peux pas passer ça. Hé, hé. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis mauvais? Non, mais qu'est-ce que c'est mauvais? Ah! Ça, c'est pas mal. Ah bon, allez. Hop, c'est pas grave. Ça doit faire sûrement plus de dégâts. En plus, on est à vert, donc c'est assez rare. C'est super bien fait au niveau des sons, je trouve. C'est bien réalisé. Personne. Personne. On va pouvoir aller là. Il y a des gens qui sont rentrés ici. Voilà, hop. Moi je prends les trucs des gens, hein, s'ils les prennent pas. It's an epic. Oh epic right here. Un épique. Génial! Ça fait quoi? D'accord. Sympa! Je surveille mes arrières. Ok, c'est nul. Ok. Je regarde en même temps.
Surveille. Oh! Oh, c'est génial! Pire, c'est que là, en fait, je peux voir tout le monde. Il n'y a personne. Et par contre, quand on va aller au mid, je vais être détruit. Je vais être mort. Parce que j'ai rencontré quand même personne là. Ah, vite, il y a le machin qui arrive. Je l'avais pas vu. On a un truc là-bas là. J'ai envie d'y aller. Personne. On est que 28 aussi, hein. Oh, ce bruit. Ah! Qu'est-ce que c'est? Reviens là! Mais comment on le tue? J'ai pas compris! Comment on fait? Pas compris moi! Faut tirer sur le truc rouge. Viens là! Mais il veut pas le casser, hein. Mais qu'est-ce que ça fait en fait? J'ai pas compris ça. D'accord. Je me suis fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris! Bah, un joueur qui reste. Doit avoir des gens là-bas. Oh, je commence à laguer en plus. Ouais, il y a quelqu'un là-bas. Oh putain, il m'a touché le con. Quoi? Oh le bâtard. Regardez, là je vais me transformer. Putain, il m'a touché! Trop chaud le mec! Restoring some health. Allez, je prends mes petites popotes. Et je me tire. Bon, ici y'a quoi? Y'a personne? Bon, ouais, j'ai voulu jouer le malin alors que j'avais rien. J'ai pas de truc. Oh, s'il y a une popo, bah tiens, je vais pouvoir l'utiliser. Y'a rien. Bah ouais, y'a pas de bruit, donc ça sert à rien. Mais j'ai vraiment pas de chance, hein, c'est... Alors ça... Oh là là, un arc. Oh, j'ai enfin une popo de protection. Allez hop. Ça s'est mis. Toi, je t'ai vu. Bon, non. J'en ai déjà un. Mais le pire, c'est que... Bah, pourquoi il y a personne? Ah, mais il y a plein en plus. Wow, j'en ai déjà un. Oh. Mais c'est vraiment nul ce que j'ai. Oh, il y a quelqu'un.
Vous l'avez entendu? Vous l'avez vu? Ah merde! Ah! Quelle grosse merde! Dégage! Oh, oh le con. Mais non, mais je suis une grosse merde! Fais n'importe quoi! Bon, voilà ce que c'est un peu Rim Royal. Bon, faudra juste que je m'améliore un petit peu. En solo surtout, faut que je m'améliore. Faudra juste que je m'améliore un petit peu, mais c'est pas grave. Oh putain, je faisais que de crier. Bon, en tout cas, mais nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde.